Ici coule la Brévenne et c'est dans cette vallée qu'a été établie la plateforme de l'ancienne voie de la ligne de Saint-Paul à Montbrison, ce qui montre le cadre magnifique dans lequel évoluaient les mécanos à l'époque. Il faudra trois tentatives dès 1833 pour que la construction de la ligne de Lyon-Saint-Paul à Montbrison dans le département de la Loire soit finalement concédée en 1868 par un décret impérial aux frères et ingénieurs Mangini qui partent alors à la conquête de l'Ouest lyonnais. Inaugurée en 1876, elle impose des travaux spectaculaires, notamment en plein centre de Lyon, puisqu'il est nécessaire de creuser les flancs de la colline de Fourvière pour y ériger la future gare du quartier Saint-Paul, nécessitant l'excavation de 200 000 m3 de rochers. Elle devient alors la porte d'entrée de l'Ouest lyonnais. En raison des reliefs traversés, près de 50 ouvrages d'art sont nécessaires, y compris des déviations de la Brévenne. À Montrond-les-Bains, station thermale, on admire le majestueux viaduc de Cerizay et ses 20 arches qui s'élancent à la confluence de la Loire et de la Coise. La plateforme qui traverse le site médiéval en contrebas du château du XIIe siècle effleure son ancienne chapelle. Le site présente donc une maison de garde-barrière juste en dessous d'une forteresse médiévale. À Brussieux, le viaduc du Vercherin, d'une longueur de 209 mètres, est le premier d'une succession d'ouvrages permettant le franchissement de la vallée creusée par la Brévenne. Plusieurs gares permettaient d'effectuer des correspondances, comme par exemple à Tassin, avec la ligne des messageries desservant notamment Brignais, ou encore Viricelles-Chazelles-sur-Lyon, Blotti en fond de vallée, également desservie par le tramway métrique dit « tramway des chapeaux ». En 1938, comme des milliers de kilomètres de lignes en France, la section de Montbrison à Sainte-Foy-l'Argentière ferme au trafic voyageurs et sera entièrement déferrée. Il en sera de même jusqu'à l'Arbrelle en 1955, abandonnant ainsi les deux tiers de la ligne. Je marche actuellement sur l'ancienne plateforme de la voie, près de Bellegarde-en-Forêt, sur l'ancienne section déferrée entre Montbrison et Sainte-Foy-l'Argentière. Un trafic marchandises subsiste pour la desserte de Carrières de la Loire et le transport de granulats, aujourd'hui désaffecté et remplacé par des camions. L'association du chemin de fer touristique de la Brévenne se crée en 1989 dans l'objectif de rétablir une circulation entre l'Arbrelle et Sainte-Foy-l'Argentière. Elle perdurera jusqu'en 2013 et attend toujours les autorisations pour reprendre du service. Aujourd'hui, de cette ligne nous sont parvenus, outre la plateforme sillonnant dans la campagne, d'anciennes gares et maisons de garde-barrière dont quelques-unes ont fait le bonheur de particuliers qui les ont sauvées. Jusque-là exploitée avec des caravelles puis des autorails thermiques, la ligne va connaître une véritable renaissance en 2008 avec le lancement d'importants travaux visant à l'exploitation en matériel tram-train, une première dans la région, y compris pour deux autres branches depuis Lyon, vers Brignais et vers Lausanne, cette dernière n'ayant jamais été réalisée. Cette conversion consiste en l'électrification totale, la création de voies supplémentaires et notamment d'un raccordement direct entre Écully la demi-lune et Alaï, mais aussi la construction d'un technicentre à l'Arbrelle pour l'entretien et la maintenance des rames Citadis Dualis produites par Alstom. La première rame arrive au tout nouveau technicentre en février 2011 et sera suivie par 23 autres jusqu'à l'inauguration le 22 septembre 2012. La refonte de l'Ouest lyonnais permet une exploitation plus adaptée avec un cadencement à la demi-heure toute la journée et au quart d'heure pour les heures de pointe du matin et de l'après-midi. On estime aujourd'hui le trafic à 120 trains transportant 8000 voyageurs par jour environ, cette fréquentation est en deçà des objectifs initiaux. De nombreuses demandes sont latentes pour une desserte de territoire par la réouverture de sections fermées. Que vous arriviez par l'Ouest ou d'ailleurs, vous ne manquerez pas de visiter Lyon que l'on ne présente plus, capitale des Gaules au patrimoine inscrit à l'UNESCO et possédant même le seul métro à crémaillère au monde.
s'éloignant le long du chemin de fer, vous pourrez profiter de la région du Forez et de son patrimoine de caractère niché çà et là dans le Massif central. Aujourd'hui, les vestiges qui nous sont parvenus sont les témoins de l'enthousiasme qu'a suscité le chemin de fer dans nos territoires et qui a permis l'essor de nos villes et le déplacement des populations et des biens avant l'arrivée de l'automobile. Il constitue la précieuse preuve que la ruralité a été une priorité du développement ferroviaire, soutenant par là même celui des industries et des pôles de vie. Vigie d'un temps qui pourrait se conjuguer au futur, elle nous demande du soin et de la considération en tant que véritable patrimoine commun. Et c'est toujours avec le même regard émerveillé et une émotion intacte que je parcours ces anciennes lignes de vie qui ont écrit, de leur empreinte de fer, les pages du ferroviaire.